Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 sur Yakiwash 4. Et on devait déverrouiller cette porte qui a le sceau de rang D. Je sens que ça va devenir intéressant à partir de maintenant. C'est quoi ça? La porte est scellée? Il y a écrit D, ça signifie quoi? J'avoue. Enfin nous on sait à quoi ça signifie, mais bon. C'est sûrement à cause de cela qu'elle ne s'ouvre pas. Je suis venue voir et j'ai bien fait. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un sceau D scellé que vous pouvez ouvrir avec le rang d'une montre yokai. Rang? J'avoue les pauvres, ils doivent comprendre. C'est la force d'une montre plus puissante qui l'ouvrira. Notre montre est toujours de rang E ou quelque chose comme ça, non? Exactement. Vous devez élever votre rang de E à D et vous pourrez passer. Vous pourrez rencontrer des yokai encore plus puissants et d'autres événements étranges. Et toi, tu as peut-être la bonne montre. Regarde, non? J'avoue. Ce n'est pas possible. Et je ne suis pas un horloger. Oui, pour l'augmenter. Enfin, même pour la changer, parce que je pense pas qu'il ait la bonne yokai watch. Bah ouais. Enfin, elle a l'air de marcher la sienne, mais pas optimisée, tu vois. Je peux peut-être essayer. Ça a l'air cool et je suis bon pour jouer avec les machines. Non. Tu penses pouvoir le faire? Eh bien, oui. Non, mais n'importe quoi. Attention, un seul essai est possible. Ah, elle veut dire que si on loupe, on casse la yokai watch en fait. Ah, peut-être. Je pense que c'était ça qu'elle voulait dire. Un seul essai? Pour élever votre rang, vous devez en vouloir la peine. Okay. En valoir la peine, désolé. En simple, c'est une bonne idée de montrer votre force dans la lutte contre les yokai. C'est ça? Je te l'ai expliqué pendant longtemps, mais tu peux comprendre. Mais maintenant, tu peux comprendre. Là, elle parle à Akinori. Ok. Je pense qu'elle a déjà expliqué ce concept. Si vous décidez de vous y préparer, le test est un peu difficile. Ah, elle veut dire qu'il y a un test pour augmenter la rang du yokai watch. Alors, il faut le mériter. Comme tous les autres yokai watch, je suppose qu'il va falloir aller battre des quêtes clés carrément. Ça nous manquait. Alors, êtes-vous prêt à passer le test? Eh bien, c'est pas comme si on avait trop... Oh, une pièce de bingo kai! C'est vrai? J'ai pas vu, c'est passé trop vite. En récompense! Alors voici ce qui sera difficile. Ah, elle va nous demander de montrer notre force en combattant certains yokai. D'accord. Le mystérieux M. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus pour qu'on puisse faire ce tirage au bingo kai et on espère avoir quelque chose d'intéressant. On espère avoir quelque chose de pas mal parce que le bingo kai ça se fait rare sur ce jeu. Et pas les boules dorées, hein, parce que les boules dorées il va falloir Il nous faut une vraie carte yokai. Ouais, là. Un vrai yokai. Oh, machin Natsume m'appelle. Voyez bien en tête que pour lancer le combat, il faut que Michi ne fasse évidemment pas partie de votre équipe. Pour ceux qui auront le jeu, c'est ça qui vous dit affiché en rouge que vous ne pouvez pas combattre avec lui en tant que membre principal. On est parti. Alors lui, il a son épée de Fudomyo. Donc normalement il va pouvoir la lancer à un moment donné. Ah, tu penses qu'on peut la balancer comme ça? Ouais, je pense que c'est son XA. Au même titre que les autres yokai. C'est intéressant de prendre Thomas du coup contre les yokai. Oh ouais, le fouillon il a lancé son... Oupla. Ok, faut faire attention quand même parce que c'est pas tout ça, mais bon, faudrait pas non plus. Ok, bah ça va, c'était good comme combat. Oh non, c'était pour faire un top là. Ouais, il était mort. Bon, je sais pas vraiment à quoi c'est ça, si t'as un boost d'XP ou des trucs comme ça à la fin du combat quand tu fais ce genre de truc. C'est une très très bonne question, j'en ai aucune idée. Oh, c'est merveilleux, Natsume! Vous avez vaincu le super-héros Michi. Vous allez pouvoir renforcer votre montre. Ah. Retourne là-bas et t'inquiète pas pour moi. Oui, Michi, bien sûr. Ok, bon, on va te laisser là alors. Et elle se casse dans le plus grand des calmes. Il semble que d'une manière ou d'une autre, vous l'ayez vaincu, le mystérieux M. Maintenant, renforçons la montre yokai. Ah, on donne tous notre montre? Ah bah oui. Génial. Quoi? Bien, allez Nexus, la vôtre aussi. Ah, quoi, vous pouvez faire ça? Ok. Sérieux? Je peux, j'ai un moment, alors je vais t'offrir un peu de mon temps. Oh, merci beaucoup. Non, c'est sérieux. Okay. Je pensais qu'elle allait renverser... Enfin, j'avais même pas vu qu'elle avait pas pris celle de... Ouais, moi non plus, je pensais que... Nexus, elle a dit attendre un moment. Mais du coup, on va tous avoir... toutes les améliorations D sont terminées. Ah, c'était rapide, dis donc. Mais grave. Ok, bah oh, voilà. Bien. Toutes les montres yokai sont montées au niveau D. Oh! C'est quoi ça? Il a eu la Elder Watch! Mais je crois que c'est la yokai watch que Natsume a, la Elder Watch, il me semble que je l'ai vue. Mais en gros, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais je l'ai déjà... Enfin, elle est dans Puni Puni. C'est incroyable, tu l'as fait, Nexus!
La UK Watch Elder peut être aussi utilisée pour le travail light. Ouais, il me semble que c'est la montre qui permet de... Ah, je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer, mais dans le pays, enfin voilà, c'est pas... Si quelqu'un sait l'expliquer, je sais pas. Oh, vraiment? On va s'amuser. On sera en mesure de l'utiliser maintenant. Elle l'avait déjà, je crois. Il me semble que c'est la montre qu'elle avait. Par contre, lui, il a la montre UK Watch Ogre. Ah, c'est pour ça que je donne que deux, d'accord. Vous devez être aussi capable de percer les cadenas. Ah oui, ah bah maintenant. Ah oui, les fameux cadenas dorés, ok. Il y a un risque pour qu'il y ait de plus gros dangers devant vous. Soit devant vous, ok. Ça paraît logique vu qu'on a augmenté notre UK Watch. On va avoir de plus gros yokai du coup. Doketsu, vous avez perdu malgré la barrière qui enveloppait le mont. Il y a une nouvelle épée mystérieuse découverte. Vous pouvez peut-être l'obtenir. Comment changer de sujet en deux secondes? C'est magnifique. Vous devez poursuivre cette deuxième épée avec la vôtre. Ouais, parce qu'il a déjà la première, j'imagine. Oui. Je vais effacer un instant votre échec contre Fudomyo, le gamin humain, si vous faites ça. Ah, allez récupérer l'épée pour lui, j'imagine. Il n'y a pas de problème. Ce Tuma Tsukinami n'a que la détermination de protéger. C'est une menace. Oui, il veut protéger ses amis. C'est pas très très clair, mais leur dialogue, ils parlent dans un espèce de dialecte et du coup, c'est chaud à traduire. Vous devriez collecter l'épée mystérieuse avant la princesse. Ah, du coup, là, il laisse de côté un peu la princesse, hein. Bonne chance, dans tous les cas, vous devez mettre ces épées mystérieuses dans nos mains. Ça, c'est lui, c'est l'autre d'avant qui disait ça. Apparemment, la première étape est d'aller au mont Sukenzen. Sukenzan. S'il vous plaît, laissez-moi vous accompagner. C'était une idée agaçante. Vous êtes hors de force. Non, s'il vous plaît, laissez-moi une chance. Oraya-sama? Oraya? Quoi? Vous m'avez... On m'appelle pas souvent par mon vrai nom. Je l'avais presque oublié. Ok. Ouh! Ok. Je suis fatiguée de toi. C'était pas prévu ça dans mes plans. Pourquoi il a si peur de lui? Ah, oh, il est badass. Grave. Doketsu, je vais aller au mont. Le seau de Kenmu ne peut pas être cassé par des faibles. Pas sûr d'avoir bien compris. Il a dit je comprends lui par contre. Seau. Ah, je me demande s'il parle pas plutôt de l'épée. Que l'épée ne peut pas être acquérie par des faibles. Tu vois? S'il vous plaît, utilisez-le avec précaution si vous déverrouillez la porte. C'est quoi? Ah, oh, c'est la clé! Merci beaucoup! Récemment, il semble que de nouvelles portes soient apparues de façon différente en plus. Le rang a également été augmenté de la Yokai Watch. Si un endroit vous dérange, déverrouillez-le. Ouais, la Yokai Watch a été augmentée, donc du coup, s'il y a un endroit qui nous dérange. Ça marche, on va le faire. Alors, dirigeons-nous vers le monstre. Waouh, les graphismes! C'est quoi ici? Regarde! N'est-ce pas les deux plus hautes montagnes? Sukenzan. Sukenzan. Ok. Waouh. C'est grave stylé. Sukenzan. C'est parfait comme nom. Qui a-t-il là-bas? La Suzukanten... La Susaku Tenzan. C'est l'épée. Je pense vraiment qu'elle s'appelle la Susaku Tenzan parce que Susaku est un yokai. Ce n'est pas une montagne où on peut grimper. Nya, regarde. Oui, ça c'est sûr qu'on peut pas y grimper, donc il y a... Ah, regarde! Maintenant, c'est qui lui? Des visiteurs? Si vous voulez la Suzaku Tenzan, vous allez devoir faire une épreuve. Quoi? Qui parle? Bah, c'est lui là-bas. Il est juste en face de toi. Oh, il est trop beau cet oiseau. Pour aller à la montagne, il va falloir s'essayer à une épreuve très difficile pour l'épée. Donc la Suzaku Tenzan, c'est bien l'épée. Oui, c'est un oiseau guide. Allons-y! Hé! Hey, c'est pas trop facile! J'avoue. Tu es une bonne poule! Oh non! What? Vous n'allez pas essayer? Je crois qu'on l'avait essayé à l'appeler bonne poule. Quelle idée elle a eu de faire ça aussi, elle! Emmenez-moi au mont Sukenzan, s'il vous plaît! Ben, viens ici! Comme c'est beau! Oh, j'avoue, c'est grave stylé! C'est magnifique! Alors là, on sort totalement J'avais jamais vu.
du monde qu'on connaît de Yo-Kai Watch, quoi. Mais c'est ça, j'avais jamais vu un monde, enfin, pour le moment, on n'est pas allé dans une porte aussi jolie, quoi, tu vois. Vous voulez essayer le test? Eh bien oui. Allons-y, il semble que vous soyez prêts. Je n'emmènerai que certains d'entre vous au milieu du monde. Pourquoi seulement nous? Ah, pourquoi seulement certains d'entre nous? J'avoue, pourquoi? Les personnes qui ne portent pas de Yo-Kai Watch ne peuvent pas passer le test. Tu es trop lourd à porter sur mon dos. Ok. Mais je suis déterminée et je n'aime pas abandonner les défis. Oh le pauvre. Oh non. Vous voulez exécuter le test? Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Je crois qu'il va quand même l'emmener si j'ai bien compris. Ah tu crois? Ouais, êtes-vous prêt? Ouais, Akinori est notre directeur de l'équipe. Hein. On fera de notre mieux ensemble. Ah, je crois qu'ils vont l'emmener quand même. Du coup, Nexus, merci. Alors, allons-y. Oh, ce n'est pas du tout bon pour moi. Appelez-moi plus tard, Natsume, si vous avez besoin. Michi, quoi. Oh, non, dis-moi pas que tu vas contrôler l'oiseau. Ah, je sais pas. Non, regarde, ils ont mis un vieil écran de chargement pas terrible. Dommage, ça aurait été cool. Ah ouais, ça aurait été tellement classe. Oh, il y a des yokai. Oh, il y a des yokai. Il faut qu'on soit... Oh, il y a des bigokai. What? Oh, ah, mais c'est bigokai rouillé. C'est vraiment hyper joli par ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si ça vous fait plaisir. On a essayé d'augmenter un petit peu la durée des épisodes. On va se faire quelques combats pour XP un peu dans la zone. Je crois que c'est là-bas qu'il faut nous parler. Je crois qu'il va t'agresser. Par contre, le petit problème, c'est qu'on vous a dit qu'on fera du bigokai à la fin de cet épisode, mais... Il faudrait déjà y retourner. Mais il faudrait pouvoir sortir de cette zone si on veut faire du bigokai. On verra plus tard. Oui, sinon on vous fera un petit truc bonus où on utilisera toutes nos pièces au bigokai. On va voler encore plus haut. Est-ce que vous êtes prêts? Évidemment. On n'a pas trop le choix. Oh, bah voilà, on vole. Ah, il est vraiment trop lourd pour le dos du yokai. Oh, non. What? Ah, ok. Sauvé. Ah bah tu m'étonnes. Pas tant sauvé que ça, en fait. Akinori Junior! Ah, ils ont pas vu qu'il était tombé vu qu'il était derrière. Ah, bah oui, non. On ne les trouve pas. Peut-être. Peut-être que. Akinori est tombé? Oui, c'est le cas. Ouais, c'est le cas. Ah! Ah! Allez, mon gros! Bah lui déjà de base quand on l'a recruté il trouvait qu'il était gros donc Oh merci Junior. Je suis en vie en quelque sorte. On est perdu. Peut-être qu'on est à une montagne différente. Et quoi? On est seul ici, enfin en quelque sorte. Ce n'est pas vraiment. Je ne peux pas invoquer de yokai comme tout le monde moi. Et je suis tombé de l'oiseau. Comment une chose pareille a pu se passer? Allez Akinori, on va trouver. C'est vrai. Oui, Junior, désolé. Allez, montons là où on peut voir la montagne d'en face. Allons-y! C'est clairement mon épisode préféré depuis le début du jeu. C'est la première fois qu'on peut utiliser Akinori? Je ne suis pas sûre à 100%, mais je crois que tu as raison. On va essayer de fouiller un peu les environs, parce que vu qu'on a eu une pièce de bingo kite tout à l'heure, j'ai un peu espoir d'en avoir d'autres. Okay, ah, j'y ai cru, mais non. Ça peut être utile, parce qu'on n'est pas bien riche dans le jeu. C'est vrai qu'on n'est pas bien riche. Ça a changé un petit peu d'atmosphère par ici. Ça a changé grave d'atmosphère par ici. Mais c'est trop stylé. Mais on est dans une espèce de grotte. Il faut qu'on aille là-haut. Est-ce qu'on peut marcher là-dessus? Ouais, alors là, il y a un rang C, donc... On peut pas encore y aller. Malheureusement, c'est pas pour nous, mais j'imagine... Ah, mais du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir y revenir ici. Ouais, à mon avis, on va pouvoir y... Ah non! Ah bah non! Faut sauter. On l'a eu. Enfin. Oh oui, on va enfin pouvoir faire du bingo kai, ça va être trop cool ça. Et j'ai refait le monstre. Non, il faut pas aller là-bas de toute manière. J'avoue que c'est trop le stylé. Le monstre Sukenzen. Mais c'est quoi ça? C'est des espèces de... Mais là en fait on est dans un espèce de monde, tu sais le... Oh, une Yo-Kai Watch. Oh non, Akinori va avoir une Yo-Kai Watch. Je sais pas. Une Yo-Kai Watch? Pourquoi dans un endroit pareil? Et tu sais là on est dans un monde d'une épée mystérieuse et du coup je trouve que vraiment c'est beau. Et si j'ai bien compris il y en a 3, 4 autres, je sais plus, un truc comme ça. Donc du coup j'espère vraiment que ça va être aussi beau à chaque fois. Mais là Akinori! On va vraiment mettre ça? Oh,
Elle est grave stylée. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir pris la montre? Bien alors, j'appelle mon ami Junior. Ouais. J'appelle mon ami Junior. Je crois que ça fait. Allez mon ami Junior. Non mais je crois que t'as pas sa, sa clé. T'as pas compris. Je suis désolée mais il se passe rien. Oh. Je crois qu'il déprime. Ouais, je crois qu'il déprime et qu'il dit que c'était pas pour lui. Akinori, je suis désolée. C'est trop cool pour que ça se passe ainsi. Je suis le chef du groupe détective Yokai. Les autres personnes seraient là pour dire ça. Akinori. J'étais si envieux de ceux qui avaient une Yokai Watch. Allez, s'il vous plaît. Akinori, ah. Quoi? Ah, c'est quoi? Qu'est-ce que ce sanglier? Je suis le roi. Ah bon? Je suis l'horloger de la montre. Yokai Watch miroir. Le gardien de la montre. Le gardien de la montre. La Yokai Watch miroir. Que dites-vous? C'est pour ça que je n'arrive pas à appeler Junior. J'ai fait de mon mieux et j'ai fait de mon... je ferai de mon mieux seul. Ceux qui détiennent la montre sont qualifiés pour partir. Ah, ou, par... ou pour participer. Ouais. Super qualification. Il n'y a aucune raison pour que j'abandonne mes compagnons. Oh. Oh. Je crois qu'il a réussi à la faire fonctionner. C'est son pouvoir. Je crois qu'il est pas content. Ouais, non, non, non. Akinori, je vais le faire. Ok, donc c'est le premier combat. Alors du coup, c'est 2 contre 1. Enfin, Akinori ouais. Plus Junior contre le gros sanglier roi de la montagne, là. Alors, j'imagine que ça va être un semi-boss. Ou un boss. Ah, ok. Je m'attendais pas à avoir du combat en utilisant Akinori. Oh, t'as vu la grosse masse qu'il a? J'avoue. Et on a l'air de lui mettre masse dégâts en ouais, plus, hein. Franchement, ça va. En fait, c'est plus lui qui a pas beaucoup de vie, je pense. Quand on soit les dégâts... C'est quoi mon X? C'est une boucle classique comme, comme Nexus. Mais j'ai l'impression que ça se change. Ah, mon Ixa! J'ai pas mon Ixa, je vais voir. Ah, trop tard. Je crois que je l'ai mis. Ah non, mince, c'était trop tard. Ah, c'est. Ah, mon Ixa, ça a fait changer. Ça a activé Junior? Ouais, ça a activé Junior. Ceux qui s'emparent de la Yokai Watch acceptent de relever le défi des épreuves de leurs propres mains. Si tu veux viser le sommet, il y a la prochaine épreuve qui t'attend au sommet. On a gagné. Oui! Super! Oh, merci Junior, merci vraiment. Et du coup, on a la Yokai Watch miroir. Du coup, ça veut dire qu'il va peut-être pouvoir rejoindre les autres en haut du mont. Mais du coup, on a surtout gagné une Yokai Watch miroir. Mais grave. Il semble que les oiseaux ont également perdu de vue Akinori. Oh, je me demande si Akinori va bien. Toutes les épreuves dont l'oiseau nous a parlé. Je pense que cet accident est, en est une qu'on doit surmonter. Le fait qu'ils aient perdu Akinori, c'est une épreuve. Allez, tout le monde croit en Akinori ici. Alors allons de l'avant. Yes. Il n'y a pas de retour en arrière, donc pas d'autre choix que d'y aller. La voie de la raison. Mais... la vue de là-haut sera bien mieux. J'aimerais retrouver Akinori si on doit monter là-haut. Ah, il veut retrouver Akinori avant de monter là-haut. Avant de pouvoir monter. Ou alors peut-être qu'il veut monter là-haut pour voir Akinori. Aussi. Bon, je... c'est un truc comme ça. Soda. Allez, on doit trouver tout le monde. Je suis sûre qu'on va les retrouver. Cherchons la fin des épreuves. Oli. Quoi? Vous devriez attendre. Comment? Eh. Ah, ah. Oli. Bah il est tout de suite beaucoup moins badass. On devrait continuer ensemble. Peut-être que tu es l'enfant du roi. Pas non, un enfant. Je suis le roi qui s'est battu contre Junior. En forme light side. Voici ma forme, maintenant voici ma forme light side. Mon autre côté. Ah, du coup on va devenir amis avec un yokai trop stylé. Bah ouais, j'ai l'impression que... Eh, hey, il est trop mignon en mais plus. Mais oui, c'est grave. Eh bien allons au sommet du, de la montagne. Avec ce yokai cochon. Kolima? Non, bon, c'est la dernière fois qu'on doit voler aussi haut. Ah, normalement du coup, on là c'est le sommet. Ouais, on l'a retrouvé l'oiseau.
Mais on l'aura pas contrôlé. C'est dommage, ça a été qu'en cinématique ou... Ok, donc on doit encore monter en haut du sommet, mais on va quand même ramasser quelques boîtes. Ok, un petit remède infect. Ça fait très... Ring de combat. Ouais, ça fait très plateau. Alors là, du coup, on est au sommet. Ouais. Bon, c'est la dernière épreuve. Je suis venue pour l'épreuve du chaman. Ah, apparemment, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Oh ! Kirin ? Oui, ma Kirin, effectivement. Je suis le gardien des épreuves. Quel genre de personne es-tu pour porter cette montre yokai ? Oui. Je suis Akinori. Je suis à l'essai de Suzaku Tensai. Tenzan, allons mon garçon. Testons ta puissance. Ah ! C'est comme ça qu'on est pas parce qu'on a un deuxième boss. Parce qu'on a déjà battu l'espèce de petit cochon bizarre. Ah ça c'est un vrai boss j'ai l'impression. Ouais. Quoique l'autre aussi, le cochon, je pense que c'était un vrai. Oh ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Je sais pas, mais à mon avis, t'as pas intérêt à rester dessous. Je crois que t'as un de tes potes qui est envoûté. Ah bah c'est moi, il est désenvoûté le cochon. Ah, vas-y, tire. Non, je sais pas. Attends, parce que là, il y a... Voilà. À mon avis, il y a un moyen de... garder à terre quand tu fais ce truc-là. Ah, peut-être. Voilà, j'ai fait des dégâts de toute manière, tout à l'heure. C'est pas bien. Faut juste que je me rapproche assez pour... Attends, il y a un peu à faire. Super. Bah, je sais pas, peut-être que c'est utile. Ouais, tu vois. Chance. Ah ouais, oui, d'accord. Il faut que tu restes appuyé quand il fait son truc. Et du coup, ça le met en chance. Enfin, du moins, j'ai l'impression que c'est attends, comme ça que tu l'as... J'essaie de mettre un maximum de dégâts. Parfait. J'ai l'impression que c'est comme ça que tu l'as mis par terre. Ah, ok. Ça va, franchement, il est pas très... Franchement... Pas très dur. Ouais, par rapport à Doketsu, qui était pas mal quand même. Là, tu vois, à mon avis, il faut que tu l'aspires. Ouais, c'est ce que je fais du coup à chaque fois. Et du coup, ça le met en chance. Ah oui, d'accord. Ok, bah sa technique à lui, elle est facile à trouver. Hein. Doketsu, on n'a toujours pas trouvé. Parce qu'il n'y en a pas aussi. Par contre, tu ne perds pas du tout, ce boss. Ouais. Ouh, attention, je peux. La petite difficulté. Oh, il fait mal, ce yokai. Ah. Toi aussi, tu as pris... La grosse difficulté, en fait, c'est que j'ai pas de soin. Avec cette technique. Ouais, mais il y a moyen d'utiliser des objets, j'imagine. Ouais. Et c'est vrai qu'on en a récolté plein, donc bah, c'est bon. Akinori et ses amis ont surmonté l'épreuve. Merci beaucoup. Oui, c'est super, Akinori. Je vais vous donner une récompense pour avoir surmonté les tests. Merci beaucoup encore. Oh, une clé. Sympa. Oh, une clé. C'est qu'une clé pour se rendre dans un monde différent d'ici. Prenez-en soin. Tellement de monde. Elle a de la valeur. Ok. Eh bien, écoutez, je vous propose de découvrir peut-être ce projet. Bah, je pense que là, on a bientôt fini avec le monde Suzaku Tenzan. Je sais pas. En tout cas, on verra si on ira découvrir le monde la prochaine fois. Du coup, n'hésitez pas à liker l'épisode si ça vous a plu, bien et évidemment. Et on vous fait d'énormes bisous. Ciao, ciao. Allez, salut tout le monde.